C'est un grand frère, et c'est quelqu'un que j'adore. Et aujourd'hui, il est venu chez moi comme un président. Mais je veux dire remercier parce que c'est une journée historique. Sans notre président, que tout le monde adore, s'il n'était pas là, je crois que la fête ne va pas commencer. Mais je suis très content. Je crois que monsieur son excellent, Macky Sall, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Et mon pays, de Libéria, on compte sur le Sénégal. Notre relation, déjà, c'est une relation de grand frère et petit frère. Je crois que ça va continuer. Tu sais bien, pendant toute notre campagne, c'est quelqu'un qui m'a tutoyé, qui m'a donné des conseils, de la paix. Je dis merci à tous notre frère et soeur sénégalais. Et j'espère que notre amitié sera venue plus grande et forte encore parce que le Libéria aussi, on a besoin du Sénégal. Quand je regarde votre pays, ça m'a donné l'âme pour faire quelque chose pour mon pays. Et je suis très content, je suis très heureux, je suis très fier. Merci. J'ai eu le plaisir de connaître le président George Weah il y a quelques années. Il était préparé sa campagne pour les sénatoriales. Il était venu me voir à Dakar pour d'abord prendre des conseils. 2013 voilà, 2013, prendre des conseils sur comment j'avais moi-même fait la campagne, parce que ça a été un cas qui les intéressait et nous avons depuis lors gardé le contact. Chaque fois, je ne manquais pas de saluer son courage, parce que les gens ne voient que l'ancien footballeur, mais l'ancien footballeur s'est donné les moyens d'aller reprendre des études supérieures, de faire des masters pour pouvoir justement mieux maîtriser l'environnement politique et l'environnement du développement. Donc c'est un homme qui a cru en son destin, qui a cru en son pays et qui s'est donné les moyens politiques d'aller à la conquête, d'être élu sénateur et finalement aujourd'hui d'être élu président de la République du Libéria. Donc c'est quand même un exemple aussi qu'il faut donner à la jeunesse. Et je lui ai redit toute mon amitié et surtout ma volonté de l'accompagner aussi autant que je pourrais dans sa mission par le conseil, par le renforcement aussi des relations entre le Libéria et le Sénégal. Nous avons toujours eu de bonnes relations, mais là nous pourrons aller encore plus loin.